Et à toutes les fois que je prenais ma guitare, que je commençais à jouer, mon chum Robert venait s'asseoir à côté de moi. Il venait m'écouter jouer. J'apportais souvent ma guitare à l'école dans ces années-là. Je venais m'asseoir dans les marches d'escalier. Je m'assois
j'envoie un petit vent comme ça ici pour mettre mon pied gauche. Parce que regarde, si je tire, ma guitare juste avec la, sur la cuisse droite, quand je la tiens pas, elle tombe. Alors que si je place ma guitare sur ma jambe gauche, de cette façon-là, elle est en équilibre, elle se tient tout seul. J'ai pas besoin de la tenir. Regarde, si je la tiens sur ma cuisse droite, quand je viens jouer dans les mains hautes, regarde comment je suis mal pris, là. Je suis coincé. Mon main touche à ma cuisse, mon coude est rendu dans mon ventre. Alors regarde de cette façon-là, quand je suis dégagé. Et regarde, ma main est complètement dégagée. J'ai accès jusqu'à la dernière note, où mon coude est dégagé aussi. Alors de cette façon-là, je peux rester assis plus longtemps, et je suis plus confortable, et j'ai accès à tout mon manche de façon plus facile. Alors j'ai dit, Robert, je vais jouer le même morceau, mais au lieu de jouer comme ça, Dernier œuf, la tête.
Si j'enlève mon pied, ça arrête. Si je joue deux notes,